Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. Son plaisir pour nous retrouver au point l'autre numéro mise au point. Invité nous aujourd'hui à ce ministre éducation nationale avec formation professionnelle là, professeur Pierre Josué Agenor Cadet. Il y a plusieurs points pour nous garder la position Cadet. Récemment, le ministre Cadet était à Cuba, dans le cadre d'un forum sous enseignement supérieur. Et semaine ça tout, il était dans le Sénat pour défendre la loi qui vient pour avec moderniser enseignement supérieur en Haïti, et au niveau chambre députée, bien entendu. Question, mouvement commencé dans quelques lycées, et ça qui fait que Timounio a demandé au professeur Vin Fekou, on va regarder qui ça, le ministère de l'Éducation nationale, en termes de mesures pour que la situation ça n'y pas continuer. Et puis l'autre point, qui vient pour avec l'éducation, et on a parlé pour aborder avec le professeur Cadet, qui a accepté de répondre à la question de matin. Monsieur le ministre, son plaisir pour nous guérir un soutien aujourd'hui. Bon, et son plaisir qui partage ces juniors, et n'a saisi l'occasion pour nous saluer tous les téléspectateurs, tout partout dans le monde, qui ont regardé la télévision nationale. On démarre avec les dernières participations dans le forum, son enseignement supérieur à Cuba. Qui s'acte, comment ça t'a été, qui s'acte dit dans le cadre du forum ça? Bon, c'était un forum, un sommet international très intéressant. Côté échange d'expérience t'a fait, brasser l'idée t'a fait. Et dans le forum, ça a eu plus de 2000 participants. Parmi eux, un pile ministre enseignement supérieur, ministre éducation, vice-ministre éducation, recteur d'université, grand chercheur dans le monde. Et côté, chaque Tévin partagé dernière expérience dans affaire la recherche. Et vous avez cherché tout qui gens pour y arriver dans ça nous relève la modernisation de l'enseignement supérieur. Et pendant le passage, nous avons fait un pile en compte. Par exemple, nous avons rencontré avec et ministre enseignement supérieur dans Cuba, qui dit nous comment satisfait de étudiants haïtiens qu'il recevait dans Cuba. Notez que avant de devenir ministre enseignement supérieur, il était déjà recteur de l'université. Donc il est habitué au travail avec étudiants. Et nous avons posé problème tout sur question bourse d'études, parce qu'on est aujourd'hui, deux pays qui ont Haïti plus bourse d'études, c'est Mexique avec Cuba. Bien entendu, tout récemment, nous avons fait un rencontre avec l'ambassade de Mexique. Nous avons fait un chita parler ensemble pour regarder qui ça nous capable de faire. Parce que nous avons environ 350 étudiants qui ont été à l'étudier Mexique, avec condition de finir étudier pour retourner ici. Mais je vous dis, je connais que les étudiants qui finissent étudier Mexique, ils ne peuvent pas retourner. Donc nous allons regarder qui ça nous capable de faire pour nous arriver à résoudre cette situation. Parce que ça est capable d'empêcher plus d'autres étudiants dans le pays d'Haïti de bourse d'études pour aller au Mexique. Donc, dans la rencontre, ça tout nous dit qu'il était fait à Cuba. Côté, tu es un pile chercheur avec un pile lecteur d'université. Donc, c'est justement de chercher comment moderniser l'université. Il était fait au moment côté nous-mêmes, on a paru pour faire une véritable assise sur enseignement supérieur en Haïti. Une assise, discussion déjà commencé, qui va le faire dans la fin d'année. Et quelques discussions ont déjà commencé. Et le Parlement haïtien, tout 50e législature, notamment Chambre des députés, et tout à travailler sur ça. Donc, comme moi, annoncé, ça m'a voulu anticiper pour nous parler de loi ça, qui projet de loi ça qui votait hier soir dans la Chambre des députés. Parfait. Alors, qui ça nous tire nous-mêmes, puisque nous connaissons Bola Kaipano, ça n'a pas marché trop bien dans la question enseignement supérieur. Qui ça nous tire de l'expérience de notre pays, qui t'a aidé nous mieux, ouais, mieux faire marcher l'enseignement supérieur en Haïti? Bon, dans l'échange d'expérience, nous gardons la question de la gouvernance. Parce que je dis en Haïti, nous étions quoi que. Dans le niveau université, il y a une question de la gouvernance. Nous, dans l'expérience, surtout, nous voyons que nous sommes en retard dans la question de recherche universitaire. Parce que lorsqu'on parle de l'université, il y a trois bagailles qui entrent en ligne de compte. C'est ça nous relève la formation ou l'enseignement, ça nous relève la recherche et le service social. Donc, heureusement, dans le niveau administration Moïse Lafontaine, il y a une loi qui est déposée dans le Parlement, nous avons déjà voté dans la Chambre des députés, une loi sous question pour rendre le service social obligatoire. Donc maintenant, nous allons travailler sous question gouvernance, renforcer la gouvernance et mettre tout bon gens en contrôle dans l'université en Haïti. Parce que tout le monde reconnaît lui. Et dans la question système éducatif en Haïti, il y a des ordres, on dérive qui étaient vraiment extrêmes. Par exemple, comme on a parlé d'enseignement supérieur, on nous dit qu'on a parlé d'enseignement supérieur, nous parlons seulement en Haïti, contrairement à ça, on peut monter qu'à penser, ça nous est l'université d'État d'Haïti. Et enseignement supérieur en Haïti, c'est une grosse machine. Et qui est là-dedans? Ça nous relève, et nous avons UEH là-dedans. Nous avons là-dedans les universités publiques en région. Parce que aujourd'hui, à travers tout le pays, il y a une université. Donc ça nous relève universités publiques en région. Mais nous allons relever le pied devant universités publiques
et en département. Parce que là où tu fais créer, c'était 3 terrains, aujourd'hui il y a 10. Donc c'est seulement dans l'Ouest qui pourra gagner, comme c'est là, l'Université de l'État concentrée. Nous jouons tout là-dedans et des écoles supérieures créées par le ministère de l'Éducation nationale, pour ne pas dire par l'État, et en même temps tout des écoles, des institutions privées d'enseignement supérieur. Aujourd'hui en Haïti, et d'après des comptes qu'on fait, gagner plus passé 200 et institutions et cap bail enseignement supérieur. Malheureusement, l'État reconnaît seulement 102 dans eux. Et même dans 102 à tout, on a fait bonne analyse, il y a un pile dans eux qui pas répondre à condition pour l'État te reconnaître. Mais étant donné que la loi n'a pas d'effet rétroactif, nous obligé accepter eux, mais n'a pas garder comment pour nous encadrer eux pour eux capable venir répondre vraiment à toutes les normes et qui t'a dû gagner dans affaires enseignement supérieur. Donc jodi a nous dit n'a mettre l'ordre. Non seulement dans la question de l'école dans le pays d'Haïti, l'école a poussé tant pour John sans contrôle, dans le même temps tout, nous avons mis l'autre dans les affaires université. Et très prochainement, nous avons une loi qui est déposée dans le Parlement, qui est une loi qui crée une agence nationale d'enseignement supérieur, et un peu partout dans le monde, une agence. Et ça, c'est pour montrer que l'administration Moïse Lafontaine lui-même, est vraiment ancrée dans sa nouvelle idéal démocratique. Parce que là, nous mettons l'agence nationale là, c'est juste pour capable. Et renforcer sa nouvelle autonomie avec l'indépendance université. Cependant, autonomie avec indépendance, pas de confondre avec sa nouvelle libertinage, avec une liberté sans fin. Donc, nous pensons que grand pile effort qu'a fait en sens ça, et qu'il y a plusieurs groupes qui ont réfléchi, et à tous les niveaux, sous question enseignement supérieur en Haïti, pour nous voir comment nous pouvons sortir dans sa nouvelle aujourd'hui, dans la question universitaire. Là, toutes les questions moyennes tout posées, parce qu'en pile fois, il y a des conseils universitaires de l'État qui ont plaigné pour ça rejoindre comme moyen qui ne permettent pas de faire face à la réalité universitaire. Bon, je comprends ça, mais c'est au moyen tout qui, en fonction de taille pays, en fonction de budget pays, et tout pour nous reconnaître que l'éducation lui-même, il faut qu'il y aille plus loin. Et cependant, nous, dans l'État, nous faut que nous tout consentir des efforts tout. Et il faut de payer des taxes, il faut de participer. Parce que là, on n'a pas d'éducation. L'éducation, c'est l'affaire de toutes et de tous. Donc, ce n'est pas affaire aux individus, ce n'est pas affaire aux gens qui enseignent seulement, ce n'est pas affaire aux gens qui sont responsables. Donc, nous pensons tout avec l'État, lui-même, l'affaire gauche aujourd'hui, dans le cadre en politique publique. Pour capable comment nous capable augmenter budget parce que si n'a pas les jodia de modernisation de l'enseignement supérieur eh bien il revient que nous augmenter budget et université ou bien budget enseignement supérieur budget éducation en général. Oui. Donc ça sont nécessités sont réalité. Par exemple question si volet recherche là sont va qui manquer je dis à l'université. Exactement faut, et c'est ça nous dit faut que nous encourager la recherche. Or là n'a pas de la recherche ça a un coût. Donc ça a un coût, faut ça demander question encadrement. Et je dis à nous-mêmes, dans le ministère de l'Éducation nationale, nous commençons à encourager et s'annouer la recherche. Et tout récemment, la télévision nationale était présente dans le moment ça, pendant nous avons promis des primes à des étudiants. Donc nous-mêmes, dans le niveau ministère, nous avons organisé et nous avons lancé deux concours et pour nous capables d'encourager la production scientifique. D'abord, c'était un concours de rédaction scientifique pour les jeunes universitaires. Et heureusement, nous avons joint 43 qui ont participé là-dedans, avec un pile chaleur. Et ils étaient sortis dans 19 facultés, et il y a 5 dans eux qui étaient réprimés, qui jouent un prix bio. Non, même temps, nous avons lancé un concours pour nous porter appui à la production scientifique pour les professeurs d'université. Donc, malheureusement, au niveau des professeurs, ça ne va pas, parce que nous avons seulement recevoir 3 documents, et alors que c'est 3 primes qui d'abaille. Donc, nous n'avons pas de cas à faire concours ça pour 3. Donc, c'est ça que nous sommes obligés, eh bien, reporter, eh bien, appuyer production scientifique dans le niveau professeur d'université. Donc, c'est que son pas nous déjà franchi là. Donc, côté la batte, nous encourager la recherche. Parce que aujourd'hui en Haïti, si vous faites une analyse, on comprend que les plus forts étudiants qui finissent dans l'université, dans la faculté, dans l'enseignement supérieur, ils n'ont pas présenté mémoire. Et quand ils ont tout, ce n'est pas faute. Parce qu'en Haïti, pour vous présenter mémoire, donc ça demande un paquet de travail, ça demande un pile d'argent, un bon petit argent tout. Et même dans l'université, à côté des gens qui ont pour encadrer, eh bien, ils ont l'argent pour payer ça. Et bien, je dis à nous-mêmes, l'administration Moïse Lafontaine, nous travaillons sur ça pour nous résoudre le problème ça, pour des enseignants qui sont capables d'encadrer, eh bien, tout finissant dans l'université, dans le cadre de préparation, travail de sortir.
Parfait. Là maintenant, tout, et le monde qui croit, faut que nous fassions éducation, tout nos véritables services publics. C'est vrai que l'université, l'État, de manière générale, est au grand souli, mais il ne faut pas négliger tout l'université privée, parce que je dis à vous levez un bon matin, on est pas deux, trois pièces, et puis ils ont une université, et puis tout le monde là-dedans, et c'est des gens qui ont formé, qui quand même prennent le gain pour assurer le relève là demain. C'est exactement ça, M. Abdou Taler. Nous, actuellement en Haïti, nous répertorions plus de 200 institutions d'enseignement supérieur, mais en pile, ils n'ont pas répondu à aucune norme pour exister comme faculté, comme école supérieure, comme institution d'enseignement supérieur. Dans ça, l'État fait ça. Et je dis à là, avec direction d'enseignement supérieur, nous gagnons dans le ministère, nous avons un gros travail qu'a fait, un travail d'analyse. Et comme dit le de la loi n'a pas d'effet rétroactif, ça que déjà reconnaître, nous ne pouvons pas enlever et reconnaître ça dans le meilleur. Pas évaluer le travail autour. Non, nous évaluons, certes. Mais je dis là, on a cherché à encadrer, mettre avec eux pour nous faire avancer, puis vous venez répondre aux normes. Mais ça coûte quoi entre eux, je dis là, eh bien, ils font un analyse strict avant de l'accepter comme université. Et c'est ça qu'il faut vrai que plus parce qu'on centaine qui ont reconnaissance égale l'État. Et dans ce sens-là, tout faut que nous veillions tout à la jeunesse là. Parce que nous allons nous demander tout ça qui a reconnaissance, qui a diplôme, certificat, pour nous exposer. De manière à être pour voir qui compte le praler. Parce que ce n'est pas possible, je dis. Pas de liste pour les centres qui autorisent fonctionner au ministre. Qui est-ce qui? Donc, pour que ça ne pas publié, centre qui dûment a une autorisation pour fonctionner. Bon, même, bon, il publie déjà. Il compte publier. Même d'où que, dans tout côté, il reconnaît là, depuis pas être dans des canards, on pourrait que l'afficher. On pourrait reconnaissance là. Donc, on étudie les mêmes de privé, il faut avoir. Donc, le pas il faut avoir un problème. Mais je veux dire, l'État lui-même, la fond de travail, côté la assaini et système là. Donc dans question et enseignement supérieur, et bien je dis à là, il y a un pile qui a obligé qui a fait mes potions. Même les n'a besoin l'autre, mais nous pas créer des centres universitaires, des centres dans des institutions d'enseignement supérieur pour nous asphyxier davantage ces vos jeunes. Donc on pense que l'État t'es qu'on dérive là-dedans, t'es qu'on laisse aller. OK, t'es qu'on par contre c'est une sorte bon sorte de laisser aller m'te cap dire, mais je dis à nous dit nous mettez frein à lui. Côté qu'on contrôle systématique qu'a fait. Parfait. Je vous dis, quel que soit centre et universitaire, quel que soit institut supérieur ou bien institution supérieure qui a prouvé, enseignement supérieur qui a prouvé, je vous dis, il y a un contrôle qui fait sous lui. Donc, il y a une équipe dans le ministère, notamment dans la direction enseignement supérieur et recherche scientifique, qui a visité, qui a regardé, non seulement qui a analysé le dossier. Par exemple, dans la loi, ça qui fait que vous dites, soit la bagarre de la ville de et vous parlez, par exemple, nous avons un deadline quand même. Parce que même pour nous, on a fait quoi dans l'université, je vous dis, il faut que nous ayons un doctorat. Oh, longtemps, tu n'as pas paquet de dérives qui dans le. Mais nous avons là tout fond sur que nous avons ressources pour ça, oui. Parce que nous avons un rapport nul, ça comme un titre. Puis il faut ressources qualifiées, nous pas en Haïti. Maintenant, lundi, il faut que nous ayons un doctorat et nous ne pas inventorier ce que nous avons comme ressources. Est-ce que nous ne pouvons pas arriver à côté, nous pourrons l'obliger à remettre en question, même si ça nous vote. Nous avons déjà fait inventaire. D'ailleurs, dans l'université publique en région, OK, nous pas dire pour l'université de l'État d'Haïti que nous avons fait étude ça là-dedans, mais comme l'université publique en région yo dépend directement du ministère éducation nationale, et bien qui ça passe là-dedans, et bien balisio déjà là. Si on a l'université publique en région, quoi, puis formons un doctorat. Par exemple, il y a 10 recteurs ou pas recteur dans l'université publique en région, c'est pas un doctorat. Donc tous les 10 recteurs ont un doctorat. Doyen ont un doctorat. Donc à la rigueur maîtrise. Maintenant dans la loi tout. Et je pense que les législateurs sont très intelligents. Ils comprennent ce qu'ils disent. Ils ont même inquiétude qu'ils ont là. C'est peut-être ça, ils ont quitté 2 à 3 ans okay, de délai pour les gens qui sont dans le système. Non. Et pas oublier, nous avons une loi qui vote déjà dans le Parlement. C'est la loi de validation des acquis de l'expérience des acquis de l'expérience professionnelle. Okay? Maintenant, si nous avons une vingtaine d'années la enseigner, nous avons un niveau et bac plus 3, ou bien un niveau bac plus 5, et bien on cap qui ton temps pour lui pour la former tête li, n'est-ce pas, pour la former tête li pour lui arriver dans le niveau doctorat. Mais je dis à là en Haïti, contrairement à tant longtemps, et bien grand pile jeune notamment qui détenteur de doctorat, il y a une bagarre, faut que nous valoriser la ça. Et ça faut regarder par exemple dans bon ça, parce que tout récemment vous avez entendu une crise dans le nord au niveau de l'université publique en région qui nous résout d'ailleurs côté nous dit que nous pas dans un pression. Donc faut nous respecter les normes, faut nous respecter les principes. Parce que les bagayou dit que les gens pour recruter au monde en tête en université.
Donc, jodi a nous dit, dérive la fini, on mette l'ordre ensemble dans le niveau enseignement supérieur dans le pays d'Haïti. Oui, mais là, tout, il faut que la question doctorat, tout, nous allons offrir tout en Haïti. Parce que jodi a, c'est vrai, l'université l'État va être trop longtemps depuis le grand collège doctoral, mais au fait, il faut qu'on vraiment accessible pour tout le monde, et qui t'a souhaité après maîtriser, font doctorat et position cadet. Nous comprenons ça tout. Et c'est ça que fait dans la loi, il y a un délai qui est accordé. Donc, par exemple, monde qui est dans le système là déjà. Mm-hmm. Donc, c'est juste pour être capable de porter correction à des bagailles qui étaient faites là-dedans comme dérives. Donc, je dis, si vous avez un bon enquête en pays d'Haïti, vous avez des monde qui, pas même au niveau licence, qui a enseigné dans l'université. Bon, la nature aurait du vide. Ok, mais c'est ça. Mais je dis, il faut que nous comblions vide là. Et c'est ça qu'on a fait là. Nous, pendant que nous comblions vide là, nous avons battu tout pour nous éviter des problèmes dans le système. Absolument. Ok. Donc, d'ailleurs, non. Mes problèmes que vous avez, c'est que, bon, je pense que le problème, non, ça pour le sac là, doit y être exactement. C'est métier enseignant, métier professeur, pour y revaloriser. Qui pour revaloriser. Et nous tiens à faire ça. Ok? Parce que enseignant lui-même, très souvent, l'icône n'en poste là de manière transitoire. Parce que justement, pour lui-même, il n'y a pas qu'à vivre de ça à faire comme métier en tant que professeur. Ok? Et je vous dis, l'État comprend ça tout. D'ailleurs, en dedans et gouvernement, ça me l'a dans l'an, et en pile dans c'est professeur. Mm-hmm. Donc, c'est monde qui gagne vraiment des vérités, qui ont tendance pour bagaille à avancer, pour venir mieux pour question enseignement. Parfait. Que ce soit dans niveau fondamental, dans niveau préscolaire, que ce soit dans niveau secondaire, dans niveau universitaire ou bien supérieur. Ok, et même professionnel, pour... et surtout et technique, hein, parce que je dis, on ne va pas parler d'un pays, et tant que Haïti comme pays du Sud, sans nous mettre un accent très important sur ça, nous la formation technique et professionnelle. Et surtout, et en formation technique et professionnelle orientée vers l'emploi. Parfait. Là, nous avons pu vous aborder, nous allons très vite, et on était dans la question d'enseignement supérieur avec loi ça, et le projet de loi ça que je suis débuté avec bénédiction lien. Et en substance, qui ça, là-dedans, moi, nous avons suivi quelques éléments dans le débat. Moi, j'ai un petit problème sous le ministère de l'enseignement supérieur. Est-ce que l'État a le contrôle de l'université, qui, quand même, selon la Constitution, c'est une institution indépendante, enfin, autonome. Finalement, nous mettons d'accord sur qui ça, et monsieur le ministre. Bon, nous mettons d'accord parce que le bon, problème qui t'a posé, c'est que. Et gagné parmi honorables députés qui ont des inquiétudes. Des inquiétudes par rapport au passé. Donc, il a rappelé comment, dans tant longtemps, eh bien, l'université à lui-même était dans main l'État. Mm-hmm. Donc, l'État a fait ça la veille. Okay? Mais je dis, depuis 86, et surtout depuis 87, avec la Constitution, eh bien, gagné, ça nous est consacré. Ça nous est l'autonomie et l'indépendance de l'université. De côté, eh bien, autorité politique, yo, yo pas qu'à faire mémise sur ça nous est l'université. Et c'est très bien. Je dis, nous avons une administration qui a une tendance démocratique prononcée. Donc, nous te faire comprendre que l'administration, les affrontants, lui-même, il est là pour renforcer l'institution, il est là tout. Pour renforcer les acquis démocratiques. Mm-hmm. Donc, il y a des parlementaires qui pensent que la loi ça capable de faire nous retourner dans ce qu'on fait avant longtemps. Nous montrer comment la loi ça, au contraire, lui renforcer tous les acquis démocratiques. OK? Et comment d'ailleurs, nous regardons des lois, ce genre-là, nous montrons que l'État lui-même, lui là, pour le définir, pour élaborer politique enseignement supérieur. Gagner un organisme qui l'a et loi pour créer l'organisme déjà dans le Parlement, tout son agence nationale d'enseignement supérieur, c'est lui-même qui l'a pour réguler, pour contrôler, pour orienter stratégiquement l'enseignement supérieur. Et l'enseignement supérieur là lui-même pour mettre en œuvre, mettre en application, eh bien, politique enseignement supérieur. Donc, or, même ministère de l'Éducation nationale, qui c'est le ministère qui est chargé de l'enseignement supérieur, il n'y a pas de mémise sur l'enseignement supérieur. Parce que le conseil des décisions là prend, il faut qu'il joigne avis favorable à l'agence nationale. Là. Mm-hmm. Et désormais, même diplôme, quitte ce diplôme de licence, diplôme de master ou diplôme de doctorat, eh bien c'est l'agence nationale d'enseignement supérieur qui va le signer. Donc là, c'est que nous désormais, n'est-ce pas? Donc, davantage, nous renforcer ça, nous est acquis démocratique dans les affaires universitaires.
Il a posé question tout soit fait de espace universitaire inviolable. Ou songez ça qu'on passe dans le pays d'Haïti. Côté et militaire, la police, débarqué en université, crasé, brisé, ou non, c'est ça qu'on passe dans le sens humain, etc. Même si tout, il faut que le bagaille, tout, qu'elle fait tout dans affaire comportement et étudiant, nous, tout, qui besoin de bon genre gouvernance. Mais nous, je dis, quel que soit l'espace d'apprentissage là, espace scolaire, il est inviolable. Cependant, même la loi, même loi ça, maman loi pays, qui dit que espace université, espace scolaire inviolable, il dit tout que comment la police, par exemple, la justice, car donc sur demande des responsables. Ok, sur demande des responsables. On a regardé ça passer tout récemment aux États-Unis d'Amérique. Par exemple, il y a des gens qui ont dénoncé la présence policière dans la faculté de sciences humaines. Mais ce n'est pas policier qui débarquait, tout simplement. Ok, donc on a besoin, on a nécessité, on a problème, côté étudiant, à empêcher les étudiants de venir apprendre. Notez que dans l'objectif de développement durable au DD4, eh bien, apprenant, pas doué empêcher les camarades d'apprendre. Il pas doué empêcher les professeurs, les enseignants, enseigner. Ok, donc on va aller aux États-Unis, bon dérive qui fait dans nos lycées, eh bien, qui sont, ils prennent comme décision, eh bien, désormais en Floride, chaque lycée gagne un policier dans pour capable assurer la sécurité de Timounio. Comment? Donc, présence de la police dans un centre universitaire, donc ce n'est pas une violation liée. Mais nous dit que nous n'y pas là pour violer. Donc, il soit ça inviolable, il n'y a pas débarquer, j'en veux là-dedans. Mais au besoin, les responsables sont capables de faire appel à la justice, à la police, pour venir en dedans, en centre d'apprentissage. En allez-vous de, ça a été une précision à faire sur la question d'enseignement supérieur, de l'université en région, Gonaïve. Et puis non, il y a des problèmes dans le jour passé, par rapport avec monde qui t'a dirigé. On a le Gonaïve d'abord, est-ce que je dis à tout est sous contrôle, monsieur le ministre? Je ne vais pas répondre à la question directement, mais il est temps en 2018, pour un pays ça, nous chercher une autre pratique, une autre façon pour poser problème. Qui s'est passé exactement comme problème dans CEMAC avec dans OUCAP? Bon, dans CEMAC, pas de problème. Seulement, tu as un problème et qu'on n'a pas de problème. Tu as un problème côté. Et bon, commission que tu as dirigé, eh bien, l'Université de Bilkan Région, c'est Macla. Et nous-mêmes, Jean la loi d'Il, Jean Circulaire d'Il, Jean Principio d'Il, nous avons organisé en toute transparence un concours côté gagné un nouveau recteur qui recrutait. Et nous croyons que depuis lundi, il t'a installé. Malheureusement, tu as un petit retard de côté Palbem. Et c'est lui-même qui demandait un report, des bagages qui préparent qui pour le fait. Et moi, demain vendredi, là, nous allons installer le recteur dans ce MAC-là. Donc, tout le bagage est déjà en préparation pour ça, sans problème. Maintenant, dans OCAP, c'est une situation assez difficile. En Haïti, depuis longtemps, et moi, je suis dénoncé, je suis écrit dans le journal, par les radios, télévision, je suis dit, si nous avons besoin d'une bonne éducation en Haïti, il faut que nous dépolitisions l'éducation. Heureusement, nous trouvons une administration côté, et nous avons toute indépendance pour être magie. En fonction de la feuille de route que vous émettez. À aucun moment de la durée, je n'ai jamais une autorité supérieure qui dit fait tel bagaille. Non? Donc, c'est que je travaille en fonction de l'aide de cadrage que je m'envoie, feuille de route là. Contrairement à longtemps, côté été politisé, c'est soit contente politique pour me tendre là. Et bien, au cap, bagaille là, tu as une couleur là-dedans que je ne peux pas comprendre. Tu as une crise avec un ancien recteur. Ancien recteur, finalement, pas qu'à résister, il va démissionner. L'elle va démissionner, nous réunir avec les gens qui sont dans l'université, nous former avec eux-mêmes en commission pour gérer l'université. En attendant que nous recrutions. En attendant que nous recrutions un recteur. C'est ça que nous entendons avec eux, nous faisons un circulaire même qui dit ça. Nous quittons une fin d'année, nous faisons une nouvelle année, et laissons nous lancer avis de recrutement. Avis de recrutement lancé, Yuna mam commission yo li vini comme candidat tout pour le vin recteur. Te gen 17 candidats. 17 candidats et nous mette campé en commission pour faire recrutement qui déclarant la dans diverses tendances. Donc nous prenons monde qui sorti dans direction générale, ressources humaines, nous prenons monde dans cabinet etc. pour former en commission pour organiser, nous prenons monde qui dans rectorat tout. Pour organiser le concours. Donc, en toute transparence, les concours fait en Haïti, en Afrique,
L'homme vini, moi concours fait, yo peur publier résultat concours parce que il y a un pile tollé, monde qui dit yo pas d'accord concours. Dis monsieur, même pas le dire et monde n'ok pour diriger l'université non. Oui, mais monde dans ce monde non, lui ça passe à tout. Donc c'est là après la vine grave là. Donc monde qui passe comme recteur jusqu'à présent pendant ma parole voilà là. C'est dans le journal moi non, pas connait le visage. M'pas la veille seulement une fois, c'est la veille jour pour l'installer. Je devais être sûr que il est présent. Parce que il y a une opposition, il y a une obstruction qui fait. Côté anti-groupe, d'ailleurs, il y a un homme qui a osé dire un bagage sur la radio. Et là, ça m'a étonné. Il dit que tant l'installation s'est faite, la boule ni recteur, ni ministre. Il n'y a pas fait rien après ça. Et il est très connu dans la ville du Cap. Pourtant, la psychologie est libre. Donc, c'est qu'il faut tout pouvoir l'État prendre responsabilité pour faire travail. Donc, ça, c'est une déclaration incendiaire. Ok? Et bien, même ça me dit, je ne vais pas la traîner en pile. Question en noir. L'aime temps des questions, je fais entrer. Je me dis, ok, je vais chercher à comprendre ce qui a passé. Je me réunis avec tout monsieur Sayo, qui était dans la commission. Il y a des autorités politiques du Nord. Je me rencontre tout dans le cabinet. Nous posons le problème, non? Il y a une revendication. Je prends tout en considération. Je me dis, je vais analyser la considération. Quand on a convoqué tout le monde qui est dans la commission, le monde dans le ministère, il a même tout donné, il a regardé ça, il a dit non, ce n'est pas ça. Il a son concours qui fait en toute transparence. Et il a dit autorité, il a dit monsieur le commissaire, il faut qu'on apprenne à respecter les normes et les principes. Jeunes n'ont pas formé, il faut que nous modèles pour eux. Donc nous ne pouvons pas avoir une mauvaise image devant eux. Parce que je dis à nous, nous sommes une société qui est en panne de modèles. En panne de modèles. Donc, si grand modèle nous avons, il faut nous battre pour nous voir bien. Je dis, monsieur, moi-même, je tiens à ce que nouveau recteur installé. Mais qui passe, c'est lui qui passe. C'est lui qui passe. Est-ce que même politique derrière ça? Est-ce que tu as des parlementaires qui t'ont fait pression pour que ce n'est pas monsieur qui est installé comme recteur? Bon, je t'en ça parler. Moi, ça va intéresser tout moi-même. Parce que même, depuis jour. Je ne peux pas parler avant. Depuis jour, non, écoutez, depuis jour, je monte dans la tête ministère, tout le monde connaît moi-même comment je boule. Donc, monsieur Slav, principe. Je suis esclave la loi. Et je dis Dieu merci, une administration qui comprend tout. Vous comprenez? Parce que longtemps, nous avons un président qui est intervenu dans nos dossiers. Ça pourrait jamais faire. Ça pourrait jamais faire. Donc, mon aljoint même, tu as le président, mais là, c'est le ministre qui a fait. C'est le ministre qui a fait. Vous comprenez? Et là, ça, il a fait un petit groupe de monde, il a occupé l'espace universitaire, il a dit. Il y a boulé, il y a casé, il y a pris la rue. Donc, en pile pression. En moi-même, de tempérament, je ne suis jamais dans le chantage, je ne suis jamais dans la démagogie. Je me pose un zac, depuis que je connais mon père avec conscience, ça me connaît, c'est la vérité, c'est la réalité, je m'avance. Mais est-ce que vous avez parce que est-ce que l'université a réellement campé là? Et pourtant, dans un moment, je me dis que tout le monde a une inquiétude que l'installation n'a pas été faite. Et il me fait quand même. Et dans un moment d'installation, tu as des professeurs qui sont présents, des étudiants qui sont présents. Donc, c'est un petit groupe. Maintenant, étudiants, ça que tes groupes, soi-disant étudiants, qui étaient opposés à l'installation rectorale, nous te dire que, au moins, si je dis à ces étudiants, si on parle fort, mes pays, ça, donc si il y a un comportement pareil, il y a une hypothèque à venir pays. Donc, si vous-même qui êtes étudiant, vous dites, il y a appelé pour venir diriger. Or, pendant longtemps dans le pays, ça, tout le monde a dénoncé. Népotisme, favoritisme. Si je dis à nous dire, on nous fait appel à la qualité, on nous fait appel à la compétence, c'est un bon bagaille. Moi-même, chaque jour, je me dis ça. Le gouvernement, ça, je ne sais pas comment faire la donne. Pour qui ça me dit ça? Première fois, je rencontre le président Jovenel Moïse dans Vim, c'est le jour où je parle de la première rencontre comme ministre. Je connais la télévision, je connais d'elle. Mais je ne peux jamais rencontrer le visage. Et pourtant, je dis à même ministre éducation, non, sous lui même. L'administration là. L'administration là. C'est que pays ça, son autre aïe. Parce que longtemps, pour nous mettre au ministre, il faut que son nègre qui était proche, il faut que son nègre qui t'a pour des valises, il faut que son nègre qui t'a flatté. Mais je dis à ce n'est pas ça lié. Je ne sais pas si tu comprends. Donc c'est que, il y a un autre choix qui fait, il y a une autre orientation qui fait dans pays ça. Il faut nous comprendre ça. Donc, népotiste là, favoritiste là, moun paliste là, il n'y a pas à la mode encore. Et c'est comme ça seulement pour nous, l'autre pays. Donc là, nous prenons selon les normes,
selon les principes. Mais la crise a résolu, non? Bon, nous pas dit que la crise a résolu totalement. Mais à mon niveau, ça me fait faire. Donc, on concours fait, c'est un recrutement. D'ailleurs, il y a un monde qui était en opposition. Parce que c'est ça qui est grave dans le pays. Et c'est ça que nous avons corrigé, là, quand les jeunes ont formé. C'est même gens après, par exemple, ont élection faite pour nommer, pour élire un président. Et les élections faites en toute transparence, selon les normes démocratiques. Président élu pour 5 ans, il peut quand même 3 mois sous pouvoir, où j'ai un groupe de monde qui a demandé pour l'aller, remettre Cléa, mettre Cléa en bas porte là. Donc, il est le temps. Nous ne sommes pas dans une période de Moyen-Âge encore. Il faut que nous sortions de ça. Donc, nous avons élu, il y a un mandat où il a fait pression sur lui pour bien faire travailler. Hein? Les groupes de pression, ça trouve exister de tous côtés dans le monde. Mais question que, où fin faut élection pour demander pour y faire cela, donc ça a bien ça. Donc c'est même pas la passe tout dans l'université, c'est que son pratique nous gagne. Donc on pratique antidémocratique. Aujourd'hui, c'est au nom de la démocratie qu'on a parlé. Je veux dire, est-ce que tu as demandé si l'université n'a pas fonctionné, soit pour répondre, ministre? Bon, je ne peux pas répondre seulement que toutes conditions réunies pour fonctionner. Est-ce qu'il a fonctionné? Parce que le recteur qui est dans la tête lui. Et tout récemment, la police a fait un bon travail avec la justice. Côté des actes anarchiques qui t'a posé, avec une équipe qui t'a occupé espace là, et la police qui t'a fait. Mais comme bah, la fête fin fait, c'est dans la semaine là, vous installez le nouveau recteur, donc il faut que des mises en place qui fait. Okay? Et moi-même, personnellement, je mal rendu dans l'ordre, mal gardé à deux visages loin, comment bah, yo, okay? Même d'où il est le temps pour nous changer de paradigme. Parfait. Pour nous arrêter dans la même vieille question, ça y est. Donc, question à bloquer. Tout bagaille qui a un rapport avec la démocratie. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale avec formation professionnelle. Je dis à vous, la formation professionnelle, puis vous estimez qu'il est négligé, monsieur le ministre. Vous allez entendre des commentaires sur ça, puisque le regard des 7 pilotes, je dis à il ne va pas marcher trop bien. JB Damien, même, il pas marcher. Et il y a plusieurs sittings qui sont faits devant le bureau, même dans Delma 83, pour demander pour que le ministère accompagne les centres professionnels. Qui ça nous-mêmes dans le niveau ministère n'a fait pour que l'école professionnelle y arrive à marcher correctement, monsieur le ministre? Premier problème, non, Serginho. Administration des affrontants. Qui saute gain, bon, président saute gain un an, cette février passé là. Qui prend pays dans l'état qu'il y a là. Avec des problèmes séculaires. Des problèmes vieux de plusieurs années. Dans l'espace d'un an. Ou pas qu'à résoudre tout problème paysan. Son pays, leur bon. Exemple dans tête d'INFP, qui sont anciennes ministres commerce qu'on connaît, on normalienne qui fait éducation, tout qu'on éducation. Eh bien, faut que nous, très sincèrement, c'est pour la première fois dans l'histoire, dans pile avancée qui fait dans le niveau formation technique et émotionnelle. Par exemple, nous croyons plus par son cinquantaine qui tape travail, qui peut quoi jamais nommer, qui veut nommer, et grand pile l'autre effort tout qu'a fait pour encadrer, pour orienter stratégiquement. Formation technique et professionnelle. Mais cette profession n'est pas. Mais dans l'espace de matin, nous allons résoudre tout le problème. Maintenant, qui s'est posé comme problème d'abord? Il a posé problème de condition de travail. C'est matériel ou pas gain. Matériel ou pas gain. OK. Et à plusieurs reprises, directrice INFP à Magui Ducé, docteur Magui Ducé, rencontre avec eux, côté opposé problème, mais ce n'est pas dans l'espace de matin que vous allez résoudre. Problème là depuis longtemps. OK. Nous venons poser au Konya, mais ce n'est pas même ton posé là pour vous résoudre là même. Et tout pas qu'à résoudre en même temps. Il te pose un problème de salaire par rapport à l'autre enseignant qui est dans la filière enseignement général. Ok? Qui ça te passe exactement? Même les administrations Moïse font en montée, eh bien, dans la réflexion qui fait, nous est que faut que tu as gagné en attendant. Nous arrivons quand nous arrivons, faut que tu as gagné avec pression tout syndicalisme en augmentation de salaire. Effectivement, l'administration Moïse Afotante a annoncé une augmentation de salaire pour octobre.
Donc, année fiscale qui se commence à là. Dès octobre, à tous les niveaux, augmentation en bail. Cependant, vous connaissez plusieurs catégories dans la question et formation. Eh bien, augmentation, ça n'a pas privé touché. Formation technique et professionnelle. Vous posez ça comme problème, nous analysons et nous voyons que revendication est juste. Et nous adresser le problème non, à l'instance concernée pour capable faire un alignement de salaire. Ok? Donc, c'est qu'il faut que nous ayons une certaine compréhension tout. Donc, là où il va dans l'État, où je n'ai pas d'imidal le problème, donc ce n'est pas dans l'espace de matin, dans l'espace d'une seconde, qu'on va arriver à résoudre tout le problème. Donc, c'est graduellement pour nous résoudre. Et je dis à vous, par exemple, si vous regardez Rivière Jacques Bell, ou après, il y a l'école technique et professionnelle, Flamand 9, qui est déjà bien équipée. Mal visité l'école professionnelle de Jérémy et PJ, qui fonctionne très bien. Et moi, rencontré le directrice, là, moi, j'ai un problème matériel. Il y a un autre problème encore que nous résout. Nous, même mal visité des centres, mal visité par exemple Darbonne, en centre technique et professionnel. Ouais, j'y vais dans non? Et malade en tout. C'est le premier que tout le monde a là. Donc nous avons même un gros cérémonie de faire parce que nous avons un paquet d'aide internationale qui vit pour nous. Et je dis à nous tant de même questions de formation technique et professionnelle là à travers le pays. Donc dans les zones les plus reculées. Donc nous prenons tout en considération pourvu que depuis les revendications posées, nous rencontrons, nous analysons et nous avons une revendication juste. Et puis nous n'avons pas avancé pour nous éponger graduellement. Mais ce n'est pas dans l'espace de matin d'où, j'en dis tout à l'heure, qu'on va résoudre tout problème. Question problème matériel, question problème local, question problème salaire. Donc tout est là. Mais il faut qu'on tente tout pour adresser le problème. Ça. Parfait. On a les quoi là avec Timounio et Tigouav. Il y a un problème. Timounio prend la rue, professeur pas dans la salle de classe. Dans les quelques professeurs, c'est ma caplé. Hein, et selon ça, je me suis dit, tu as même dit, il y a 16 heures de cours, ben, seulement 3000 gouttes. Ça qui fait que gagner de l'école, là, c'est ma pas de professeur. Et ça même il a affecté l'école privée. Yo, parce que Timounio dit, fuck, yo travaille, c'est pas travail d'autres pour ne pas travailler tout. Le niveau ministère, qui ça passé? Est-ce que nous n'avons pas payé professeur? Est-ce que nous pas arrivé nommé? Qui fait que je dis à la situation ça? Mon question, mon paquet pile volé là-dedans. Mais ce bagage, comme je dis là, je ne pas comprendre, ça, et le professeur a dit, la question a fait 16 heures de cours, il va le 3000 gouttes là. Je ne pas comprendre ça. Parce que ça dit là, c'est le contraire qui est vrai dans le système éducatif. Et je dis là, c'est ça fait. Parce qu'on est dans le lycée, qui a plein de professeurs, pendant qu'il y a un surplus de professeurs. Et il y a des professeurs qui ont cher simple, leur ont cher simple, faut 6 à 8 heures de cours. Et deux par semaine, il y a ça qui vont chercher 5 qui va amener 3 heures de temps. Et c'est ça la règle jouée dans le système, dans l'autre. Maintenant, pour nous même dans le ministère, qui j'ai un problème à poser pour nous. Bon, vous me tout comme vous parlez de Sema Katigua. Et je pense que il y a des attitudes qui méchantes et criminelles. Et moi-même, oui, pour se faire dans la salle de classe. Nous avons quelques professeurs qui m'ont appelé. Et selon ça, nous avons un professeur qui a même dit 16 heures de cours, ben, c'est 3000 gouttes. Ça qui fait que l'école, l'école n'a pas de professeur. Et ça même a affecté l'école privée. Parce que si nous avons dit fuck, il travaille, c'est pas faire d'autres pour ne pas travailler tout. Le niveau ministère, qui s'est passé? Est-ce que...